Bienfait du jus de chou. Le chou appartient à la famille des crucifères ou brassicacées, dont les membres, riches en antioxydants, sont considérés comme des aliments de choix pour prévenir le cancer. On trouve communément dans le commerce trois variétés de choux, le chou vert, le chou rouge et le chou de Milan, dit aussi chou frisé. La couleur rouge à violacé caractéristique du chou rouge indique qu'il contient davantage de substances antioxydantes. Les choux verts et rouges ont des feuilles lisses et douces tandis que celles du chou de Milan apparaissent fripées, gaufrées, et leur vert tire sur le jaune. Les bénéfices nutritionnels. Le chou, tout en étant peu calorique, est bourré de substances bénéfiques pour la santé. Il est particulièrement riche en calcium, fer, iode, potassium, soufre et phosphore. On y trouve aussi beaucoup de vitamines A, B1, B2, B6, C, E, K et de folate. Le chou, légume historiquement consommé dans les foyers modestes, est riche en composés phytochimiques. Ceci aide à stimuler les défenses de l'organisme, s'oppose aux substances cancérigènes, contribue à évacuer les toxines et les hormones néfastes, et active en outre la production d'anticorps utiles pour lutter contre le cancer. Les vertus du jus de chou. Des études ont démontré que le jus de chou frais était efficace pour prévenir et combattre plusieurs cancers ainsi que les ulcères des voies digestives. Il est donc très indiqué dans vos recettes de jus de légumes. Aide à prévenir et combattre l'anémie. En effet, le chou contient une chlorophylle de bonne qualité qui favorise une bonne fabrication du sang. Contribue à prévenir et combattre le cancer. Il a été montré que la consommation quotidienne ou fréquente de jus de chou est efficace pour aider à prévenir et combattre les cancers du sein, du côlon, du foie, du poumon et des ovaires. Le sulforaphane, une substance que l'on trouve dans le chou, aide en outre à protéger les cellules de l'invasion d'agents cancérigènes. Aide à soulager la constipation. L'effet légèrement laxatif du chou le rend efficace pour stimuler la motilité intestinale. Pour profiter de ce bienfait, mangez le chou cru tel quel ou pressé. Contribue à maintenir en bonne santé le système digestif. La glutamine, un acide aminé contenu dans le chou, a un effet nettoyant et détoxifiant sur le système digestif. Elle favorise la guérison des ulcères et de manière générale la régénération des voies digestives. Il est conseillé de boire le jus de chou en petite quantité, 100 ml à peine environ, sur un estomac vide, 3 fois par jour. Stimule le système immunitaire. Le chou contient de l'histidine, un acide aminé utile en cas d'allergie, puisqu'il contribue à réguler l'action des lymphocytes T. Participe au nettoyage des voies digestives. La forte teneur en soufre, en chlore et en iode du chou lui confère le pouvoir de nettoyer les muqueuses des voies digestives. Favorise la perte de poids. Une substance que contient le chou inhibe la conversion de certains glucides en graisse. Manger du chou est donc un moyen sans douleur de perdre du poids. Mes conseils, à l'achat, privilégiez les choux de petite taille, qui ont un meilleur goût. Le chou se digère mieux cru que cuit. Les choux de Bruxelles, au goût plus délicat et facile à digérer, présentent en outre des bienfaits plus grands pour la santé. Il vaut mieux éviter d'acheter du chou prédécoupé, haché. En effet, après la découpe, le chou commence à perdre ses propriétés. Pour éviter la chute de sa teneur en vitamine C notamment, il vaut mieux le conserver entier au réfrigérateur dans un sac plastique perforé. Valeur nutritive. Le jus de chou est élevé en nutriments et faible en calories. En dégustant un verre de jus de chou, vous ingérez de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine K, de la vitamine U, de la vitamine B6, de l'acide folique, du manganèse et des glucosinolates. Le jus de chou est également une bonne source de minéraux, riche en fer, en calcium, en potassium, en phosphore, en magnésium et en thiamine. Ces minéraux sont essentiels à la production hormonale, au développement osseux, à l'abaissement de la pression sanguine et à la régulation des battements cardiaques. Antioxydants. Le jus de chou contient de multiples antioxydants, augmentant la capacité du corps à soigner les ulcères et détoxant le corps contre les produits chimiques dangereux tels que l'excès d'estrogène. Cholestérol. Le jus de chou, en particulier le jus de chou rouge, contient des acides gras oméga-3, ce qui réduit également le mauvais cholestérol et les triglycérides. Cela aide à réduire la pression artérielle, à prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiovasculaires. Ulcères.
Si vous souffrez d'ulcères stomacaux ou gastro-intestinaux ou d'une inflammation du tractus intestinal, un verre de ce jus vert vous soulagera pendant 2 à 3 jours. Des études ont révélé que le jus de chou fraîchement fabriqué ne donne pas seulement un soulagement immédiat des ulcères, mais diminue considérablement le temps de guérison du cratère par rapport au traitement standard. 1. Par spectaculaire, nous parlons de 7 jours avant le temps de guérison thérapeutique standard de 42 jours. Le composant actif pour le traitement des ulcères dans le jus de chou brut est la vitamine U, nommée pour son facteur de guérison de l'ulcère, qui n'est techniquement pas une vitamine, mais plutôt la S-méthylméthionine. Le jus de chou est riche en phytochimiques puissants qui aident à protéger et guérir la muqueuse du tube digestif et de l'estomac. Le jus de chou contient également du sulforaphane, un antioxydant qui tue la bactérie H. pylori, qui est responsable de causer des ulcères peptiques. Pendant ce temps, l'acide aminé glutamine, trouvé en abondance dans le jus de chou, est considéré comme supérieur aux antiacides commerciaux en termes de traitement des ulcères pour sa capacité à nourrir et à réparer la doublure gastro-intestinale. Une dose quotidienne de jus de chou est également un excellent moyen de pratiquer la prévention des ulcères. Digestion. Le jus de chou est vraiment un sauveur pour les voies digestives en détresse. Contenant des produits phytochimiques, le jus de chou apaise le reflux acide et l'inflammation douloureuse du tube digestif. L'acide lactique trouvé dans le jus de chou rétablit la flore intestinale amicale, nettoie et désinfecte le côlon, ce qui en fait un traitement idéal pour la colite. Ceux qui souffrent d'IBS peuvent également le considérer pour le soulagement car le jus de chou travaille dur pour diminuer l'inflammation dans le tube digestif. Cancer. On sait que le chou possède des propriétés anticancéreuses. Riche en phytochimiques, l'ingestion de chou stimule votre système immunitaire, ce qui contribue à lutter contre les souffrances et les maladies, y compris le cancer. Ces produits phytochimiques contribuent à inhiber la croissance et à prévenir la propagation de cellules cancéreuses et de tumeurs. Les antioxydants dans le jus de chou contribuent également à éliminer les excès d'hormones tels que les estrogènes et à éliminer les produits chimiques toxiques. Si vous souhaitez une protection supplémentaire contre le cancer de l'estomac, le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer du poumon, ajoutez du jus de chou à votre routine quotidienne. Inflammation. Le jus de chou est un anti-inflammatoire connu. Idéal pour aider votre corps à lutter contre l'arthrite et d'autres maladies inflammatoires dégénératives. Les acides aminés trouvés dans le jus de chou sont également excellents pour réduire l'inflammation de la peau. Obésité. Le jus de chou est un excellent complément naturel pour combattre l'obésité. Faible en calories, ce jus aide à détoxifier les intestins, ce qui aide à améliorer la digestion et l'élimination. Anémie. Si vous cherchez une bonne source d'acide folique, ne cherchez pas plus que le jus de chou. L'acide folique est essentiel à la construction de nouvelles cellules sanguines et joue un rôle déterminant dans le traitement de l'anémie. Acné. Contenant plein d'antioxydants et de phytochimiques, le jus de chou est un tonique miracle pour votre peau. Ce coup de poing unique aide à lutter contre les radicaux libres nocifs qui causent l'acné, les imperfections et les points noirs. Haut en vitamine C, le jus de chou soigne efficacement la peau. Anti-vieillissement. Boire du jus de chou est comme boire de la fontaine de la jeunesse. Son jus anti-âge aide à prévenir la sécheresse et les ridules. Comment apprécier le jus de chou ? Pour tirer le meilleur parti de votre chou, il est préférable d'utiliser un extracteur de jus. Avant de presser votre chou, trempez-le dans de l'eau tiède, avec du vinaigre de cidre de pomme dans un grand récipient pour vous assurer que vous l'avez bien nettoyé et enlevé les pesticides. Une fois que vous avez suffisamment trempé votre chou, coupez la tige, puis coupez le chou en deux. Ensuite, tranchez la moitié en morceaux assez petits. Typiquement, la moitié d'une tête de chou est une quantité suffisante pour faire un jus. Certaines personnes peuvent trouver que le goût du jus de chou est trop puissant ou amer, de sorte que vous pouvez le diluer avec de l'eau ou le couper avec d'autres légumes et des fruits. Les carottes et le céleri sont recommandés pour guérir les troubles digestifs. Pour tirer le meilleur parti du jus de chou, buvez-le immédiatement. Des études ont montré que la vitamine U peut se décomposer en quelques minutes. Cependant, si vous voulez profiter des qualités probiotiques du jus de chou, il peut également être fermenté. Conseils utiles. Si vous traitez les ulcères peptiques,
il est recommandé de boire du jus de chou frais avant chaque repas. Pour éviter les ulcères, vous pouvez profiter du jus de chou accompagné de jus de carotte et de céleri tous les deux jours. Vous pouvez utiliser du jus de chou rouge ou vert. Lorsque vous choisissez votre chou, assurez-vous que la tête est ferme et que les feuilles sont croquantes. Le chou mou et qui jaunit a un contenu nutritionnel en déclin car il a passé son temps de maturité. Il n'est pas conseillé de boire plus de 120 ml de chou à la fois et il est conseillé de le mélanger avec des jus comme la pomme ou la carotte. La carotte et le chou sont une bonne combinaison. Si vous buvez trop de jus de chou, vous risquez d'avoir des gaz et de légères crampes dans les intestins en raison de la teneur élevée en soufre. Ne jamais stocker le jus de chou dans un réfrigérateur. Pour tirer le meilleur parti du jus de chou, buvez le frais. Il n'est pas recommandé d'ajouter du sucre ou du sel à votre jus de chou, car cela compromet le contenu nutritionnel du jus et réduit considérablement son effet. Envisagez d'utiliser du chou fermenté pour profiter des qualités probiotiques. Si vous buvez du jus de chou fermenté, vous voudrez peut-être commencer par une petite quantité et ensuite augmenter, car l'exposition de votre système digestif à trop de jus fermenté trop rapidement peut causer des maux d'estomac. Avertissement et effets secondaires sur le jus de chou. Le chou n'est pas connu pour produire des effets secondaires importants, cependant, certaines personnes peuvent subir une augmentation des gaz intestinaux. Si vous trouvez que cela pose problème, diluez le jus de chou avec une ou deux portions d'eau pour chaque jus de 4 portions. Ajouter quelques pommes et carottes peut également rendre le jus plus agréable au goût.